Dieu mette dans mes noms pour la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Et nous demandons à Dieu pour qu'il soit capable d'éditer ça pour la propagation de l'évangile de Jésus-Christ. Encore une fois, que mon Dieu est capable de bénir Radio Respiration FM. Et Jean-Pasteur Doreste dit, c'est la radio de la première église baptiste de Port-au-Prince. Frères et sœurs bien-aimés, joyeuse Pâques. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Pour le monde qui est là dans le service matin, en 6h30, et plus tard dans le deuxième service là, le Seigneur te permette que c'est moi qui est prédicateur de circonstances. L'aime de recevoir appel de pasteur Josué pour inviter un capable d'initier le dire. Comme on dit ce matin, c'était avec un triple pointe d'émotion, de gratitude et d'humilité et de recevoir et accepter l'invitation. Pour mon guider la matin, parce que nous guider la matin, nous t'ai parlé un peu de lien affectif de moi-même avec l'Église, avec la congrégation. Bien que la dernière fois que j'étais dans l'Église, là, c'était pour les funérailles du pasteur Christine Philippe, un pasteur qui était au Cap-Haïtien, travaillant avec le pasteur Mario Valsin. Et c'était la première fois que j'étais dans l'Église. Mais, pour mon guider la matinée qui est en décembre d'été, moi, je vais me dégager des liens affectifs avec l'Église. Et je suis content de soir, dans un concert, où est le maestro, notre bien-aimé frère, le patriarche Jean-Paul, avec nous. Je vais te citer dans les matins. Et ils vont que je vais te faire ça parce qu'il y a ça comme opportunité pour me parler en long et en large, j'ai rencontré le maestro Paulin pour la première fois, en 1972, au cours d'une mission spéciale, il était vers le Cap-Haïtien, par exemple, même son ça. Et puis, il était relève dans la radio 4VEH, qui était dans la station, et puis je me connais que il y a un monde qui a demandé moins de York. Et puis, il est sorti, il fait connaissance avec moi maintenant, c'est maestro Jean Paulin. Il était campé dans la station de radio-là, sorti de la ville du Cap-Haïtien. Il est campé dans la station de radio-là pour y chercher une partition pour chorale. Malheureusement, il n'y a pas de même chant. Chant était dimanche, j'ai acheté, il n'y a pas de même. Mais c'était la première fois que j'ai rencontré ce vétéran. Il me saisit, vous voyez, vigueur. Avec laquelle notre frère conduit groupe de blanc à soi. Avant ça, il avait joué ses clarinettes. Il a joué clarinette, il a écouté. Et puis maintenant, moi, il dit, est-ce que c'est mon sort qu'on va aider à Maestro Jean-Paulin? Il dit, c'est comme un grand amour et maestro. Et le Seigneur a continué par vigueur. Dans la vigne, dans le champ, pour avoir chanté gloire, pour encadrer les bien-aimés, pour nous guérir à soi, pour chanter la gloire du Seigneur, la première église baptiste de Port-au-Prince et de la Réunion. Vous voyez que mon diacé, il m'a promis un micro à pasteur, et quand le pasteur est venu, il m'a dit saluer. Encore une fois, le pasteur Emmanuel Norestin, qui est ouvert dans Homestead, dans la station de radio qui a dirigé, qui permet que tout ça a fait ici dans l'église, mon en Floride, attendez. Et le pasteur Norestin déjà voué mon banc immédiat pour le deuxième service là, combien de mecs qui vont vous donner là, que le maestro. Alors, c'est parce que
C'est Maestro Cole, on dit qu'il fait ma femme. Il fait ma femme de Maestro, Maestro, comme ça. Donc, le pasteur Emmanuel Norestin, déjà, on connaît que bien savouré de messages à terre. Et maintenant, nous avons été faire dans la voie et côté nous passer. Il fait qu'on est que le Seigneur est vivant, il est ressuscité, il est vivant au siècle des siècles. Merci, les frères Baudin, et que bon Dieu a béni ces jours ici à Montréal. Je vais rappeler mon cœur. C'est pas trompé, je crois que depuis 1994, ça fait 19 ans, ça fait environ 20 ans que le frère Baudin est dans la capitale. Si je me trompe. Bien. Merci. Alors, donc, profitez, demandez à chaque frère et soeur qui l'a, qui est petit, qui est proche là-bas et qui surtout servit avec Internet et en Floride ou quand certainement dans la radio sur appareil pour gagner. Mais que nous et l'autre côté, nous avons besoin de prendre sur Internet. Donc, vous aller sur www.radio-respiration-plus.com. Amen. Mais ça, on va prendre le livre ici, là. Et on va aller sur épisode. Et puis, vous regardez, vous pouvez. Combien l'église baptiste de Port-au-Prince et n'importe qui service dans n'importe qui date ou à capable d'écouter ou à capable de regarder parce que yo tout yo posté. Nous remercions le Seigneur pour ça et pasteur Flavel Célestin nous qui est avec nous et je dis à pasteur Flavel qui passe une journée fatigue parce que demi matin à 6h de brun. Mais il s'en est là, il est à la courir. Et nous avons passé un peu à l'os. Merci, pasteur. Moi, ça veut dire que nous avons ressuscité. Et si nous battons dans la soirée, le Seigneur va nous entendre de nous en foule comme ça. Nous souhaitons que nous tous, et là, nous disons, nous avons enlevé tout. M'a profité pendant que tout chorale yo dans l'église centrale réunie là pour que nous invitions au nom du corps pastoral, moi inviter chaque maestro chorale yo qui là avec comité chorale sa yo dans une réunion samedi qui va 17 mai, Dieu voulant, à 9h30. Mettez l'agenda, non, c'est très important. Samedi 17 mai, 9h30 du matin, Nabé Meyen, Yon rencontre ici, dans la cour d'église. Si pas les mariages, ça en appelle là. Si les mariages, après, non, c'est pas grave. Ok? Tout maestro, choral et comité choral. Samedi 17 mai, Dieu voulant, à 9h30. Merci. D'accord, si il y a des mariages, il y a fait là, mais si des mariages, il y a fait dans la salle multimédia, l'église là. Nous gagnons l'autre visiteur parmi nous, c'est le pasteur Daniel Mathieu. Il est là, il a prêché pour nous la Pâque l'année dernière, et il était assisté d'une liturgie du vendredi saint avec nous. Et ce matin, il a prêché la Pâque dans la congrégation de Damien, mais il a eu l'occasion de suivre le message de notre frère Baudin Charles, et là, il a eu le temps de revenir pour le deuxième message, et nous lui demandons qu'il est dans le mur, nous lui demandons de saluer l'Église. Oui, nous lui demandons de saluer l'Église au nom de sa famille, mais au nom de l'institution qu'il dirige. Frères
Frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. C'est avec un peu de plaisir, moi, dans le premier église baptisé pour vous, moi, je suis avec donc il a attention et intérêt tout ça qui fait par vous ici. Et vous êtes très content aujourd'hui, mais on découvre ce qu'on fait pendant que nous avons animé le service et le baptême. Bien en chant que nous partageons qu'on est. Et finalement, c'est ici que moi, avant une chant, nous devons partager ça avec le pasteur, pasteur Jésus. Moi, j'étais content en pile pour que nous devons apprendre une chant ça. Et parce que tout partout côté que nous passons, nous avons apprendre. Moi, saluez-nous également au nom de famille, moi, madame, qui dit moi, bien. Et vous, Daniel, Laurent Mathieu, qui est avec moi, est accompagné de cousin Léon, cousin Louis, Christophe, ainsi que Nicker, qui est plongé dans les eaux du baptême, matin. Hein. Nous saluons également au nom de l'Institut pratique de formation pédagogique, que moi-même, moi, à la fois directeur et puis professeur. Nous portons également salutations de quelques bien-aimés au niveau de la Convention baptiste d'Haïti. Grâce et paix, mon Dieu, avec nous, qu'il est fait parler, que le Christ capable toujours réel et vivre dans la vie de nous chacun. Que nous qui pouvons faire la paix avec le Seigneur, nous capables de profiter de l'occasion pour nous capables d'accepter comme sauveur et maître. Et nous profiter également avant que moi laissez nous, pour nous capables de saluer notre bien-aimé frère, Godet Charles et Madame Lee. Frère Godet Charles, c'est un monde qui fait un pile pour nous au niveau de la radio 4VEH. Grâce qui était mon Dieu avec nous pour faire enseignement. Amen. Merci. Je profite de cette occasion pour saluer notre sœur, Madame Marlène Gabo. J'ai pas eu le temps de la voir depuis ce matin. Pour la dire, joyeuse Pâques. Donc, peut-être, j'espère que j'aurai l'occasion de la voir avant la fin de la journée. Mais aussi, j'espère que si elle est là de l'Assemblée, elle aura à recevoir les salutations du couple Godin Charles. Encore une fois, que bon Dieu bénisse. Ce sont là les annonces provisoires de l'Église, mais annonces d'attendre, c'est que Pâques attend, c'est que Jésus attend. Et comme la connaît, c'est ça qu'on nous fait. C'est qu'on nous dit, Maranatha, Christ revient, car Christ en nous, l'espérance de la gloire. Avant de terminer le concert de ce soir, c'est le petit cœur de jeunes qui chante le dernier morceau, et après quoi, nous passerons au chanter. Jésus va de l'avant. Oui, Jésus va de l'avant. Car avec Jésus-Christ, nous allons de victoire en victoire. Jésus va de l'avant pour recueillir vos offrandes apportées à la maison du Seigneur. Alors que les membres d'accueil se préparent déjà pour avoir les corbeilles. Et tant que la chorale aura terminé de chanter, pour terminer de chanter, on fera l'offrande. De toute façon, on peut continuer. On peut commencer déjà avec l'offrande. Et certainement, après que la chorale ait chanté, on recueillera l'offrande de la chorale. Mais on peut commencer avec déjà les offrandes. Le petit cœur des jeunes chante parce qu'il est vivant. Et c'est sous la baguette du maestro Daniel Valsin et l'instrumentiste Josué, ou bien pianiste Josué Aglessi. On est en train de chercher le micro pour continuer. Thank you.